Bonsoir à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Nous sommes ravis de vous savoir encore nombreux en notre compagnie. Bienvenue dans votre émission COVID-19 à vos questions dans ce nouveau numéro, le dernier bien sûr de la semaine. Nous allons parler bien sûr du coronavirus qui touche l'école. Que faut-il faire concrètement de la responsabilité depuis la maison jusqu'aux différents établissements qui accueillent bien sûr ces élèves en classe, des amis qui ont démarré les cours il y a un peu plus d'une semaine, sinon deux semaines déjà. Et sur le plateau, pour en débattre largement, j'ai comme invité professeur Mounirou Salou, il est bactériovirologue à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Bonsoir professeur et merci d'être là. Mathieu, bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs, plaisir renouvelé d'être des vôtres. On s'était vu, ça fait un bout de temps déjà, hein. Comment est-ce que vous passez ces derniers temps-là, surtout que ça a ralenti un peu, hein. Les chiffres, on peut quand même pousser un souffle de soulagement. Oui, il y a quand même une tendance à la stabilité pour l'épidémie au niveau du Togo. Mais cela ne voudrait pas dire que nous devons baisser la garde. Oui. Il faut plutôt renforcer ces mesures de protection, ces mesures barrières, les mettre en pratique. La suppression de coupe-feu ne signifie pas la fin de l'épidémie. Il faut que nos concitoyens redoublent de vigilance pour ce que nous voyons dans les espaces publics, notamment les restaurants, les maquis, inquiètent un peu. Ça vous inquiète ? Cela nous inquiète. Ah. On a comme impression qu'avec la suppression du couvre-feu, l'allègement de certaines mesures concernant la circulation pour pouvoir vaquer librement à certaines occupations, faire vivre l'économie dans tout son ensemble, les gens maladroitement compris ces décisions du gouvernement qui devaient toutefois nous aider quand même à juguler la situation de cette crise sanitaire. Oui, vous l'avez dit maladroitement. C'est l'impression qu'on a qu'en voulant nous aider à refaire surface et vivre un peu plus, j'allais dire, à l'aise, les uns et les autres ont pensé que c'était la liberté, toute la liberté. Mais je crois que nous sommes pour le moment dans la phase de pédagogie. Voilà. En ce qui concerne le port du masque qui est obligatoire, le respect des mesures barrières, parce qu'à certains endroits, on a comme l'impression qu'il y a même le déni de la maladie. Et il faut que nous ayons un peu peur. L'épidémie n'est pas terminée, on a dit qu'il faut s'habituer à vivre avec le coronavirus. Et donc, il y a une nouvelle façon de faire. Mais si nous nous prenons garde, la seconde phase, c'est une épidémie qui va évoluer dans notre jargon, ce qu'on appelle mode endémo-épidémique. Endémo-épidémique. Donc le virus est là et de temps en temps, vous aurez des pics. Mais ce sont ces pics que nous ne voulons pas avoir. C'est pour cela que nous invitons les uns et les autres à adopter ces mesures-là totalement, sans faux fuyant. C'est le sens de la responsabilité. Il faut être... C'est la responsabilité individuelle et collective qui est en jeu. Si je ne me protège pas, je ne serai pas la seule victime, puisque je ne vis pas isolé, je ne vis pas en autarcie. Parfait. Et il nous en souvient. Le premier cas au Togo était annoncé, si j'ai bonne mémoire, nous étions le 6 mars 2020 dernier. Exact. Et puis, le 1er avril, le chef de l'État a pris la parole. Mais bien avant le 1er avril, les écoles, les lieux de culte ont été fermés. Plusieurs mesures ont été prises afin de mieux circonscrire le mal au bon moment et à un bon endroit. Et on a vu dans le discours du premier citoyen, le chef de l'État, la nation, il a souligné que c'est le moment où jamais que la vigilance soit de mise. Et on a vu avec le temps que les choses sont plus ou moins ont évolué, se sont améliorées. Et le comité qui surveille cette maladie au Togo, de la riposte, de la commission de riposte, a jugé bon qu'au moins on donne la chance aux élèves en classe d'examen de terminer l'année en toute beauté afin d'aller faire des différents examens et passer en classe supérieure. Et il y a une question qui demeure, comment faut-il préparer vraiment nos frères, nos soeurs, nos enfants qui doivent quitter la maison, leurs responsabilités depuis la maison, à l'école,
parcours hein, entre maison et l'école, que faut-il faire concrètement pour éviter des contaminations? C'est la question qui retient notre attention. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'est l'occasion de saluer l'action du gouvernement qui, en prélude à l'ouverture des classes, il y a eu un travail qui a été fait en amont entre les ministères concernés, ministère de l'Éducation, ministère de la Santé et les responsables à divers degrés, y compris les parents d'élèves. C'est pour cela d'ailleurs que c'est seulement au 15 juin que l'ouverture effective a eu lieu, en prenant le soin de nettoyer, de former, de mettre en place par établissement les comités anti-Covid-19. Et aujourd'hui, il est de la responsabilité des parents et de la responsabilité de tous en ce qui concerne les élèves de respecter effectivement les mesures barrières. Les moyens de transmission sont connus et les élèves ne sont pas une particularité en termes de transmission. Nous sommes exposés au même degré. Et c'est par rapport à la responsabilité des uns et des autres que des efforts doivent être faits. En ce moment, ce qu'on note dans les établissements, vous avez vu des masques de cache-nez ont été distribués, des dispositifs de lave-main ont été mis. On a mis un élève par banc, disposé en zigzag pour respecter la distanciation. Mais dès que ces élèves-là sortent de la cour de l'école, on note encore certains qui n'ont pas leur masque avec eux. Et c'est là où la responsabilité des parents est en jeu. Il faut que chacun fasse son devoir à la maison, éduquer, sensibiliser les enfants pour que ce qui a été démontré pour maîtriser la propagation soit réellement mis en œuvre. En partant le matin, qu'est-ce que je dis à mon fils, à ma fille qui va à l'école, et quand il revient de l'école, qu'est-ce qu'il doit faire pour, sait-on jamais, éventuellement, s'il aurait été contaminé même, comment limiter l'attention au sein de la famille. Alors, on a vu hein, lors de la rencontre de la cellule Riposte avec les hommes de la presse, c'était le mercredi dernier, et il y a plusieurs points qui ont été soulignés dans cette lutte devant nous amener au bon port. Et le constat qui a été fait, on a quand même dénombré 5 élèves qui ont été testés positifs, et le constat est clair que ces 5 élèves-là ne sont pas forcément des élèves qui ont été contaminés dans les établissements, mais d'autres qui viennent de certains voyages des pays voisins et autres. Faut-il vraiment revoir ce côté de la chose-là, accentuer beaucoup plus de la sensibilisation? Parce que si ces personnes-là, on a des écoles aussi qui se trouvent plus ou moins sur les, au niveau des frontières. Celui qui est peut-être à Plaou, peut-être on aura des gens qui vont venir du Ghana fréquenter dans le Togo, à Gbanakin, à Gomenglozou, un peu à Pagouda au nord du pays, un peu à Saint-Cassé, voilà un peu. Que faut-il faire justement pour éviter ces allers-retours-là qui peuvent être forcément ou bien source de contamination de ces élèves-là qui vont recontaminer d'autres élèves qui n'ont rien à cirer avec cette maladie-là? Non, peut-être rien à cirer, nous sommes tous concernés. Oui, comme, mais qui respecte les gestes barrières. Et comme vous l'avez dit, ce qui est peut-être capital, c'est le respect de ces gestes barrières. C'est la connaissance en 3-4 mois de cette maladie et au vu des résultats, par exemple, en ce qui concerne le Togo que nous avons obtenu, qui ont motivé les autorités à aller vers la réouverture des classes. Cela suppose et sous-entend que si l'on respecte les mesures barrières et la distanciation qui a été proposée en milieu éducatif, on va quand même limiter la contamination. Et comme vous l'avez dit, certainement, ces enfants ont été contaminés avant de gagner l'école. Oui. Mais c'est comme si nous faisions là un dépistage systématique, même dans une structure comme la vôtre. Peut-être on trouverait un cas positif. Oui. Mais ce qui est, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ce qui est prescrit donc, c'est de considérer que tout le monde peut être porteur. Et donc, il faut que je mette mon cache-nez, que je me lave les mains régulièrement. Si vous suivez, il a été même demandé que les élèves viennent à l'école avec leur casse-croûte, leur goûter, afin d'éviter toute, j'allais dire, augmentation de risque. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Pour le reste, des mesures et décisions ont été prises, mais les choses ne sont pas statiques, elles sont dynamiques.
et les autorités réfléchissent pour que la population puisse tirer le meilleur. On n'est pas là pour alarmer, pour décourager. Mais en termes de santé publique, pour une telle épidémie, lorsqu'une décision est prise, on l'évalue. Et si elle n'est pas bonne, on adapte et on avance. Parfait. Donc, ce qui veut dire que la vigilance doit être de mise en ces temps. Hein? Absolument. Ça doit être de mise. Le problème qui est aussi posé dans la foulée, c'est le port de ces masques-là qui est systématique dans les établissements. Et le constat est que bon nombre d'élèves, jeunes, enfants, éprouvent des difficultés à garder ces masques-là jusqu'à la fin des cours. Que faut-il faire? Y a-t-il peut-être une alternative qu'il faut essayer de voir? Il y a quelqu'un qui proposait la fois dernière, peut-être après 2 heures de cours, leur accorder 10 minutes, bien 15 minutes pour sortir, les enlever, respirer un peu l'air naturel avant de rentrer encore en classe pour continuer les cours. Je ne sais pas si cette alternative-là est possible. Si cela devait être même possible, il faut que cela soit fait sous l'encadrement d'un adulte. Voilà. Mais nous ne sommes pas dans cette logique pour l'instant. Ce que nous pensons, c'est que, vous savez, tout changement est difficile. Nous avons fait des émissions ici, lorsque nous étions à 3, en portant des cache-nez. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes 2. La distanciation est respectée, nous n'avons pas mis le cache-nez. C'est pour cela qu'il s'agit de la conscience individuelle et collective à laquelle l'on doit faire appel régulièrement. Les élèves, il a été même dit, pour certains qui auraient des tares particulières, qui ne pourraient pas mettre le masque pendant longtemps, des mesures ont été proposées, comme l'utilisation de visières. L'État fera sa part. Il faut que, parents que nous sommes, nous nous impliquons dans la réussite du processus. Parce que je crois, le fait de sauver l'année, que l'année ne sera pas blanche, est quelque chose qui profite à tous. Nous sommes tous des parents d'élèves. Cette proposition, il faut que nous l'accompagnions. Il faut que nous sensibilisions les enfants, les élèves, qu'ils comprennent que ce n'est pas un jeu. La preuve, certains d'entre eux sont restés à la maison parce qu'ils ne sont pas en classe d'examen. C'est parce qu'on veut sauver, comme vous l'avez dit en introduction, terminer et leur permettre de faire les évaluations. Il faut qu'ils jouent le jeu et qu'ils comprennent. De là jusque-là, à ma connaissance, aucun de nous n'a entendu que quelqu'un a eu des problèmes parce qu'il a porté le masque. Des fois, il faut réfléchir comme ça. Est-ce que vous avez connaissance de quelqu'un qui a des problèmes, qui est tombé malade parce qu'il a mis le masque? Donc, c'est d'accepter ce masque-là et aller progressivement. Même nous tous, au début, on avait l'impression qu'on étouffait. Et puis progressivement, c'est devenu, je vais faire rire un peu, comme les sacs à main des femmes. Quand vous n'avez pas votre masque, vous avez l'impression que quelque chose vous manque. Vous êtes mal à l'aise. Quelque chose vous manque. Il faut qu'on arrive à cela. Parfait. Mesdames et messieurs, vous nous suivez dans cette émission qui passe à la loupe l'actualité portant sur la maladie à coronavirus. Nous allons essayer, bien sûr, d'analyser les chiffres à la date, bien sûr, de 25 juin 2020. Comment se présente la situation de la maladie à coronavirus au Togo? Nous allons essayer de jeter un coup d'œil et puis apprécier. À la date, bien sûr, de 25 juin 2020 au Togo, il faut dire que le tableau se présente comme suit. Nous avons 180 cas actifs avec 394 cas guéris pour 14 décès avec 588 cas confirmés au total pour 28 911 nombre total de tests effectués sur toute l'étendue du territoire national à la date, bien sûr, de 25 juin 2020. Petit commentaire sur ce tableau. Il faut dire que 5 des 224 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 588. Ces 5 personnes, dont les âges sont compris entre 22 et 44 ans, se répartissent comme suit: 2 cas parmi les cas
les contacts deux hommes à Agouet, un cas parmi les voyageurs, un homme à Notchen dans le district de Raro, et puis deux cas parmi les suspects, une femme et un homme dans le district 5 à Lomé. De nouveau, guéris ont été enregistrés, portant à 394 le nombre total de patients guéris de COVID-19 au Togo. Voilà un peu le chemin que présente le Togo en cette date, bien sûr, de 25 juin 2020. Ce qui veut dire que ça va hein, dans tout son ensemble. Hein. Oui, c'est ce qu'on a une relative stabilité pour l'instant en termes à l'échelle nationale. Il faut qu'on fasse l'effort pour, comme on dit, maintenir, sinon annuler la présence de nouveaux cas. Tel est notre objectif, et ne pas enregistrer de décès. Hélas, on a encore, on est passé de 13 à 14 décès il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose que nous déplorons, mais globalement, les efforts, les systèmes de surveillance sont à saluer pour la façon dont le Togo gère cette crise. Aller chercher le plus profond les contacts des cas positifs, les tester, le suivi. C'est un travail de fourmi qui est fait derrière. Et il faut que par notre responsabilité individuelle maintenant et collective, nous puissions inverser la tendance jusqu'à annuler. C'est notre souhait. Mais pour l'instant, les choses sont relativement stables. Certaines informations circulent depuis quelque temps déjà qu'on va procéder à la réouverture des frontières dans l'espace CEDEAO. Et on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas vulnérable à cette ouverture-là? Quand on sait qu'on a des géants dans la sous-région, le Ghana qui est à côté, nos voisins de l'Ouest bien sûr, et puis le grand Nigeria, on n'a que le Bénin qui nous sépare. On se dit, mais est-ce qu'on est vraiment à l'abri si jamais l'ouverture de ces frontières dans l'espace CEDEAO est effective, à partir bien sûr du mois de juillet? Oui, il est impératif à un moment donné, si on veut une reprise effective et totale des activités dans notre espace, dans notre sous-région, que de façon concertée et synchronisée, j'allais dire, que les frontières soient ouvertes. Et cela pose le problème que vous avez évoqué, mais il faut que des stratégies soient mises en place pour pouvoir tester les voyageurs. Aurons-nous la capacité de tester tous les voyageurs? Aurons-nous la possibilité de le faire? C'est autant de questions que l'on se pose. Mais ce que l'on peut faire, c'est que vous et moi, les citoyens lambda, qui reçoit un voyageur, comprennent qu'il y a quand même cette période, comment traiter un voyageur. On a quand même au Togo eu l'expérience, lorsque le Ghana a levé la mesure, on a vu, pendant qu'on faisait le bouclage sur Lomé, pour éviter que les cas de Lomé contaminent l'intérieur du pays, ce n'est pas de Lomé que les choses sont arrivées, c'est des frontières ailleurs. Cela suppose que l'exercice n'est pas facile, mais nous réfléchissons au niveau des cellules de riposte pour voir comment, au niveau aéroportuaire, au niveau terrestre, comment cette question devra être gérée pour minimiser les risques. Je suis convaincu que le risque zéro n'existe pas. Et comme vous l'avez dit, les grands des mastodontes de la sous-région vont ouvrir, on voit les chiffres, hein, avec beaucoup de cas, et donc le risque va naturellement augmenter. Justement, on a écoutez, le directeur de l'aviation civile, le colonel Mayata, qui disait qu'on ne peut pas attendre jusqu'au cas zéro avant de procéder à la réouverture, à la relance des activités au niveau de l'aéroport. Ce qui veut dire que toutes les mesures sont prises pour éviter des dérapages ça et là en matière de contrôle sanitaire. Absolument, absolument. Et je crois qu'au niveau de l'OMS, un peu comme le règlement sanitaire international. Et sous peu, je pense, beaucoup de choses vont être communiquées. Vous voyez, un peu comme pour la fièvre jaune. Oui. Vous avez ce carnet de vaccination, ainsi de suite. Il y a des choses qui sont en train d'être faites pour permettre que, de façon globale, on puisse gérer les allers et retours sans que cela ne pose
de problèmes et sans qu'il y ait des risques. Et à titre d'exemple, je pense que quelqu'un ne quittera pas le Togo si on sait qu'il est COVID-19 positif. Il va falloir qu'il guérisse avant de partir. Et ailleurs aussi, les mêmes mesures vont être posées. Et comme on circule, on a des personnes asymptomatiques, des mesures vont être mises en place pour que tous ceux qui arrivent puissent bénéficier des tests pour s'assurer qu'on n'est pas en train de laisser dans la nature quelqu'un qui va être un danger pour le reste. C'est des stratégies de ce genre, mais je crois qu'en temps opportun, ce qui est retenu va être communiqué, comme d'habitude. Parfait. Est-ce qu'on peut dire actuellement au Togo qu'il y a des localités qui n'ont pas été encore touchées? Il y en a, en temps on parlait de la préfecture d'Agoupélé, mais qui finalement a été touchée, Tanduaré aussi qui a été finalement touchée. Ce qui veut dire que la maladie est un peu partout maintenant. Oui, des 44 districts, si je ne m'abuse. Peut-être qu'il reste un seul district au milieu, mais où nous pensons qu'il faut continuer par traquer. Il y a le Rao. C'est le Rao. Sinon, toutes les régions ont été touchées. C'est miraculeux, un Rao qui n'est pas aussi. Non, bon. Ouais, peut-être que le dispositif mais de vous avez le district Rao, vous avez le moyen mono moyen qui en a, qui n'est pas qui, loin, qui est juste à côté. Ouais. Donc, c'est pour cela qu'il faut revoir un peu. Peut-être que c'est une zone où les populations sont beaucoup mobiles et elles se reportent sur les districts environnants. Voilà. Alors pourquoi pas? Voilà. Parfait. On va commencer par prendre quelques questions, celles-là, afin de poursuivre dans cette émission. Quelques questions qui ne sont bien sûr laissées par les téléspectateurs, vous qui nous suivez. Si vous avez bien sûr envie de participer à cette émission, il suffit juste de nous laisser vos interrogations, vos petits soucis, hein, pour mieux comprendre ce qu'est bien sûr la maladie à coronavirus. Sur ce numéro en bande défilante, et la première personne dit bonsoir. Au marché de Bafilo, le port de masque, le cache-nez, ne se respecte pas. Ça, c'est un constat. Oui, c'était un constat. Que la personne a. C'était un constat. Donc, il est de l'intérêt de tous de sensibiliser pour que ce port-là soit respecté depuis les élus locaux. Aujourd'hui, nous avons des maires, nous avons les responsables des comités de développement de quartier, les leaders d'opinion. Je crois que c'est toutes ces personnes-là qui doivent être mises à contribution pour faire passer le message. Aujourd'hui, on vous a dit les masques artisanaux aident. Ils pullulent un peu partout. Il faut faire l'effort d'en mettre. Aujourd'hui, les dispositifs de lavage des mains dans les marchés existent. Il faut se laver les mains. Et il faut qu'on se soutienne et qu'il n'y ait pas de l'orgueil. Parce qu'effectivement, comme il est dit, il y a certaines personnes, lorsque vous les interpellez, à la limite, c'est de quoi se mêlent-ils? Alors que pour cette maladie, c'est comme quelqu'un qui conduit un véhicule. Vous conduisez celui de devant et celui de derrière. Lorsque vous freinez brusquement, vous entraînez un choc. Même si c'est l'autre qui a cogné, il y a quand même un préjudice qui est commis. Si vous allez trop vite, vous cognez celui de devant, c'est pareil. Et donc, tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde doit contribuer, bien sûr, à la réponse de cette maladie à coronavirus. La deuxième question dans cette émission. Soyons honnêtes, ici au nord, il y a de petits marchés de tchouk, surtout les soirées, aucune mesure, barrière, malgré les attroupements. Les forces de l'ordre ne sévissent pas aussi, mais face aux conducteurs, on est prêt pour amender ou corrompre. Finalement, c'est l'argent qu'on veut ou nos vies qu'on veut préserver. Voilà, les conséquences corrigent mieux, dit-on, que le gouvernement mette fin aux restrictions et un mois de dégâts et verra la conscience de chacun. Merci. Je crois que c'est un ressentiment qu'il a partagé. Ouais, ouais. Mais on ne va pas attendre que les dégâts soient commis avant de chercher des solutions. Il faut toujours sensibiliser. Il faut sensibiliser. Et il le dit bien, mais en même temps, c'est le lieu de tchouk, où ces bonnes dames qui le font pour vivre. Mais c'est des gens qui vont boire. Ce sont ces personnes-là aussi qu'il faut sensibiliser. On ne va pas être toujours mettre le gendarme derrière nous. Il faut qu'au niveau local, qu'on regarde comment on peut s'y prendre. Je crois que c'est sur ce plateau que j'avais demandé si peut-être partager le tchouk
est convivial, mais peut-être en pareille circonstance, chacun peut commander ce qu'il veut boire et le boire chez lui à la maison. Puisque ça se consomme en gros, quoi. Voilà, c'est... Dans une ambiance forte. Parce que la grosse difficulté, lorsque vous voulez boire, vous êtes obligé d'enlever... Voilà. Voilà. Le masque. Le masque. Voilà. Et le respect de la distance n'est pas aussi de mise. De mise. Et donc, c'est des situations difficiles où on demande aux uns et aux autres d'être plus vigilants, d'être responsables. On ne va pas demander aux forces de l'ordre de venir bastonner pour ça. Si nous voulons comprendre, nous allons comprendre. La question est complexe. La solution est au niveau de chacun de nous. Parfait. Voilà la réponse à cette question. Et on va vous lire avec une nouvelle question tombée sur notre plateforme qui nous dit « Ce qui suit, bonsoir, s'il vous plaît. Expliquez la différence entre cas actif et cas confirmé. Ah. » Oui. Les cas confirmés, c'est l'ensemble de tous les cas dépistés jusqu'à aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont été dépistées. Voilà, qui ont été dépistées au Togo. On a dit 588 hier. Et parmi ces 588, il y a des personnes qui ont été déclarées guéries. On a eu malheureusement des décès. Et puis, il reste encore des personnes qui sont à l'hôpital. À l'hôpital. Qui, pour lesquelles le virus n'est pas encore totalement éliminé. Donc, le virus est actif en eux. Et ces personnes sont des cas actifs qui peuvent même disséminer. Transmettre la maladie. C'est-à-dire le virus est encore en eux. C'est la différence. Donc, les cas actifs sont inclus dans les cas confirmés. Je ne sais pas. Les cas actifs, c'est ceux qui portent la le virus. Le virus. Voilà. Avec eux. Et les cas confirmés. C'est l'ensemble de tous ceux qu'on a dépistés jusqu'à aujourd'hui, y compris les personnes guéries, les personnes encore malades. Et les personnes décédées. Voilà. Comme on l'a au tableau, hein, les cas actifs, c'est les personnes qui portent la maladie, ceux qu'on a testé positifs à cette maladie à coronavirus. Et puis les cas confirmés, ceux qu'on a dépistés jusqu'à ce jour. Depuis le premier cas jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui pour le Togo, on a quand même la chance d'avoir le nombre de cas guéris est plus de deux fois le nombre de sujets actifs. Quand vous regardez, oui. Vous avez 394, presque 400 pour 180 actifs. C'est pas mal. Il fut une période où on était un peu en ballotage défavorable. C'était pas vraiment ça. Hein. Voilà où il y avait beaucoup plus. On avait la peur. On avait peur. Et il faut qu'on maintienne le cap. Il faut qu'on s'investisse davantage. Parfait. On va évoluer avec de nouvelles questions dans cette émission. Bonsoir, docteur. Pourquoi on dit distance 1 mètre? Est-ce que cela veut dire que si quelqu'un a le virus et il toussait, le vent ne peut pas emporter le virus au-delà de cette distance? Oui, c'est une. On a dit 1 mètre parce que les postillons, tout ce qui est projeté avec force, ne peut pas aller au-delà d'un mètre. Voilà. Et donc. C'est pour cela que cette distanciation a été proposée. C'est pour ça qu'on dit au moins un mètre. Si on peut mettre à deux mètres, il n'y a pas de problème. Si on peut s'entendre, s'écouter, c'est bon. C'est autre chose qui expliquait d'ailleurs même les mesures de couvre-feu. Parce que le soir, on a tendance à être plus proche. Oui. Parce qu'il fait nuit pour se parler, on se rapproche. Et c'était très dangereux. Donc... Ce qui veut dire que la distance de 1 mètre, c'est au moins hein, si vous avez la capacité de garder jusqu'à 2, 3. Il n'y a pas de souci. Nous nous sommes à plus d'un mètre l'un de l'autre sur ce plateau. Voilà un peu hein, la réponse à cette question qui est posée. On évolue en série de questions-réponses. Bonsoir, le plateau et merci pour les efforts qui se font dans la sensibilisation. Je voudrais savoir où en est-on avec la recherche sur le remède qui a été promis au niveau du Togo, professeur. Oui, très belle question aussi. Des efforts sont en train d'être faits. Ce que nous avons dit une fois ici, c'est qu'il faut éviter d'aller vite en besogne. Des travaux sont en train d'être faits au niveau du Togo pour
des recettes candidates ont été sélectionnées. Il y a des étapes. Il faut voir chez l'animal. Il faut aller après chez les individus sains et après passer chez les malades. Et nous sommes en train de progresser. Nous sommes à des étapes où nous travaillons chez l'animal pour certains et d'autres bientôt chez l'homme sain. En réalité, c'est parce que nous sommes devant une urgence. Sinon, mettre à disposition un médicament, ce n'est pas une affaire d'une année. Il y en a pour lesquels on peut aller à 10, 12, 15 ans. C'est d'ailleurs pour cela, lorsqu'un médicament est découvert, il y a la notion de brevet. Parce que tout l'effort que vous avez fait, on doit vous laisser jouir des retombées, du fruit de votre investissement, de votre intelligence, avant qu'on donne la possibilité à d'autres personnes de profiter. En ce qui concerne le médicament, c'est pour cela que nous parlons du domaine public. Et c'est 20 ans après, quand vous avez eu toutes les autorisations, un médicament, pour, je peux parler un peu technique, c'est au moins 3 vigilances. La première, c'est s'assurer de l'efficacité. D'abord, la preuve. Est-ce que tout ce que je veux, je retrouve? La deuxième vigilance, c'est toute la réglementation autour. Toutes les autorisations qu'il faut avoir pour être dans la légalité. Et la troisième vigilance, c'est celle que nous appelons la pharmacovigilance. Oui, on a tout fait. On a cherché la sécurité du patient. On est convaincu que c'est bon. On a commencé à l'utiliser. Mais M. Mathieu, Docteur Salou, nous n'avons pas la même constitution, on n'a pas les mêmes alimentations. Oui. Et à un moment donné, on regarde. Vous avez pris le médicament. Qu'est-ce que ça fait qui n'est pas bien chez vous? On signale. Si on se rend compte que l'ensemble des Togolais qui prennent ce médicament se retrouvent avec des yeux jaunes, on dit attention. Attention. On n'avait pas observé cela. On vérifie. Si on attribue les yeux jaunes au remède en question, alors on arrête et on le retire. Et là, ici, il y a des étapes. On a un comité d'éthique pour la recherche en santé. Ce n'est pas parce qu'on cherche les médicaments que si nous ne maîtrisons pas certains contours, qu'il faut le mettre à la disposition de la population. Si dans 15 ans, dans 10 ans, on nous rappelle que c'est ceux qui ont pris nos médicaments là en son temps qui aujourd'hui ont une tare, on ne pourra pas faire marche arrière. C'est pour cela que nous voulons demander un peu de patience. Sinon, les chercheurs au sein de l'université travaillent. Vous êtes toujours à pied d'œuvre. Hein? Voilà, on travaille. Nous avons même fait certaines analyses aujourd'hui avant d'arriver ici. Ah bon? Voilà, pour vous dire. Vous êtes sur un bon chemin. Oui, on travaille. Mais on voulait garder encore un peu les informations. Des fois, c'est parce qu'on est allé trop vite en besogne. C'est là qu'on a assisté à tout ça. Le besoin est urgent et le besoin est là. On annonce des centaines de vaccins d'ici début de 2021. Oui, l'OMS a même fait une conférence avec le CDC Afrique, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, le mercredi et le jeudi, sur l'état d'avancement de la recherche vaccinale, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Et on vous dit, 12, 18 mois, si tout va bien, on pourrait avoir des vaccins. On continue. La solution la plus intéressante pour nous sera la vaccination. Il n'y a pas de doute. Nous sommes dans la logique au niveau de l'université sur la recherche de remèdes qui aident le système immunitaire. Oui, Antoine, vous en avez publié une partie. Hein. Voilà. Ça, c'est les aliments qu'il faut manger. Oui. Maintenant, nous sommes dans la démarche où qu'est-ce qu'on peut donner à des malades qui sont atteints de la COVID-19 pour que rapidement ces personnes puissent recouvrer la santé en éliminant le virus pour que l'individu dépisté positif ne reste pas longtemps cas actif. Ok. Voilà. L'individu dépisté positif ne reste pas longtemps cas actif. C'est notre objectif. Le suivre pendant 2 semaines là, peut-être que ça va être réduit à 1 semaine. Voilà, pourquoi pas. Parce que ça va beaucoup aider aussi. Hein? Voilà, c'est dans cette approche que nous sommes pour diminuer déjà le poids psychologique chez les malades, puisque le traitement qui est mis en route en ce moment au Togo dure 10 jours. Et après les 10 jours, pour les malades qui n'ont aucun signe, qui sont asymptomatiques, on attend que le virus disparaisse complètement.
avant de les libérer pour ne pas qu'ils soient une source de diffusion dans la population. C'est un exemple. Et quand vous les libérez comme ça, ils partent, ils rentrent chez eux, vous avez quand même des bons retours, ça va dans la famille? Oui, et le contact est maintenu pour les suivre. Aujourd'hui, l'autre idée, c'est de voir. Mais ce que l'on craint, c'est la stigmatisation. Oui, c'est sûr. Il faut que ces personnes-là viennent témoigner pour que ceux qui continuent de ne pas croire aient des preuves de personnes vivantes pour dire comment les choses se sont passées. Cela pourrait nous aider. Mais je crois qu'on a vécu cette étape avec le VIH-SIDA pendant longtemps. Jusqu'à ce que... Dans les années 80, quand... Voilà, donc... C'est tout le quartier qui est isolé, finalement. Alors qu'aujourd'hui, les gens vivent bien. On en a plein. Avec leur virus, ils prennent leurs médicaments, la maladie... Ils sont bien portants. Bien portants, donc c'est... Ils font des enfants. Sans problème. Il n'y a plus de soucis. Nous les connaissons, nous travaillons dans ce domaine-là, donc... Parfait. Une nouvelle question dans cette émission de ce soir, on va l'apprendre. Bonsoir, professeur. Après l'utilisation des 50 doses de Covid Organix, quelle conclusion tirez-vous par rapport à son efficacité et comparaison avec hydroxychloroquine? Oui, très belle question. Cela témoigne de ce que ce téléspectateur suit l'actualité. Mais il faut garder un peu patience parce que l'équipe des thérapeutes va sortir les résultats de comparaison. Mais mieux, nous sommes dans un process où, avec les remèdes togolais, il faut pouvoir comparer, pouvoir finalement de quoi avons-nous besoin. Et ce que nous avons opté de faire, c'est ce qu'on appelle pas vraiment... une étude clinique, mais une évaluation de protocole qui compare 3-4 schémas thérapeutiques. Oui. Et à la fin, on verra quel est le schéma qui permet de sortir vite de l'hôpital, qui aide les patients à récupérer davantage. Et il n'est pas facile de comparer ici pour une maladie où quand même 80% les personnes peuvent guérir spontanément. Donc, il faut avoir de gros effectifs pour pouvoir démontrer que c'est le médicament qui a permis la guérison. Ça, c'est une autre question de science. C'est profond, hein? C'est profond. Et donc, c'est pour cela que nous demandons à la population de faire confiance aux spécialistes qui sont devant. Et à un moment donné, de regarder un peu autour, de regarder ce qui se passe au Togo, de comparer. Ils ont le droit et ils verront que les choses se passent assez bien au Togo, pour l'instant en tout cas. Et nous devons faire l'effort pour rester à ce niveau de bonne performance. Ouais. Quoi qu'on dira, hein, la confiance est de mise, mais dans la foulée, il y a une question qui demeure. Avec cette maladie à coronavirus, on va vivre tout cela jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a une fin? Ou bien on est appelé à vivre avec la maladie éternellement, comme le paludisme, comme ce fut le cas depuis des années, des décennies. Bon, c'est un virus, hein. Si on a de la vaccination après, ce que nous savons en virologie, lorsque vous avez une maladie qui est évitable par la vaccination et que le réservoir est strictement humain, on peut parler d'éradication. Pour le moment, il s'agit de virus qui sont connus aussi bien chez les humains que chez les animaux, pour lesquels on n'a pas de vaccin. Pour l'instant, nous allons continuer à vivre. Quand on aura la vaccination, on verra dans ce qu'on appelle l'immunité de groupe ce que cette vaccination va apporter en plus pour protéger. Et comme dirait l'autre, peut-être à un moment donné, on va vivre avec ce virus comme une banale grippe. La grippe, il y a de la vaccination, mais il y a cette protection partielle qu'on a qui fait que, si vous faites attention, il y a des cas de grippe très graves. La grippe tue, surtout dans les pays développés, les personnes qui meurent par la grippe, le taux est très élevé. Et nous avons un vaccin contre la grippe. Mais comme c'est des virus au plan structural,
connaissance. C'est des virus qui sont instables. Il y a certains phénomènes qu'on appelle des phénomènes de dérive, oui, qui font qu'après peut-être 10 ans, et c'est toujours un coronavirus, mais il est fortement différent de l'ancien coronavirus. Ça, ça existe avec la grippe. Et en ce moment-là, les humains sont surpris. Ici, nous sommes totalement surpris parce que le virus, comme on dit, maladie nouvelle, le virus est nouveau. On n'avait aucune prémunition. On n'était pas préparé à le contrer. Mais comment ça, ça a surpris tout le monde comme ça, même les pays qui ont le dispositif sanitaire très performant. On a comme impression que les pays en voie de développement s'en sortent très très bien. Oui, c'est ce que tout le monde dit. C'est, le temps nous donnera les éléments de compréhension. Mais ce qu'on comprend en premier, c'est que nous avons eu la chance de mettre très vite en place les mesures barrières. Et nous avons coupé l'histoire naturelle de cette maladie. Oui. On a mis tout le monde à l'abri, on a caché tout le monde, restez chez vous, cachez-vous. Ça fait que le virus n'a pas suffisamment pénétré. C'est pour cela que nous disons, avec la reprise, il faut que nous respections les mesures pour ne pas se faire infecter, comme dirait Peter Pio, qui est ancien patron de l'ONU-SIDA, qui a travaillé sur Ebola, qui pense qu'il a été, lui, victime de coronavirus. C'est un Belge, et qui dit, attention, il y aura une seconde vague. Et cette seconde vague-là, c'est ceux qui auront tiré les bonnes leçons de la première vague qui vont vite s'en sortir. Si vous suivez, il y a des pays très développés qui ont banalisé, ou des pays intermédiaires comme faisant partie des BRICS, comme le Brésil. Le Brésil. Vous avez vu. Ça va très très mal. Ça va très mal. Vous avez vu le Mexique, où au début... Ce n'est pas vraiment ça. Alors que nous, sachant qu'on n'avait rien, l'OMS nous avait prévenu pour dire attention. Attention. Et à l'unisson, tout le monde, même les journalistes, vous avez décrié les choses, vous avez eu l'impression qu'on a fait tous du copier-coller. Que les gens ont fait du civisme. Mais même si c'était du civisme, cela nous a aidés. Donc pour l'instant, on avance, on apprend. Il y a beaucoup d'études et il y a beaucoup de recherches en ce moment sur tout ce qui touche Covid-19. C'est ce que je peux vous dire. Encore quelques questions, puisque c'est bientôt la fin de cette émission. Une question ou deux au plus et on va se séparer. Salut, chers amis, nous voyons que coronavirus n'est pas grave au Togo à ce qui concerne la contamination. Mais les autres pays plus contaminés ont réouvert leurs églises et mosquées. Maintenant, pourquoi le gouvernement refuse d'ouvrir les églises? Ça dérange en quoi les prières, les marchés sont plus contaminés? Ghana, Bénin, Côte d'Ivoire sont plus contaminés. Nous craignons vraiment le Seigneur au Togo? Bon, c'est une question de la réouverture des lieux des cultes. Hein. Oui, mais il a lui-même trouvé l'élément de réponse. Hein. C'est, on va crescendo. Il faut savoir apprécier les risques. Aujourd'hui, on a tous compris, moi je le dis, je mesure mes mots. La Pâque a été célébrée. De la sobriété. Sobriété. Le Ramadan a suivi. Même chose. Même chose. Et le ciel ne nous est pas tombé là-dessus. Non. Voilà. Non. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas croyants. Et je pense... Si chanter, c'est prier deux fois, si, comme disent les musulmans, être ensemble, ça donne plus de poids. Mais ces religions aussi savent que pendant des épidémies pareilles, il faut protéger la population. Et que pour nous, la relation avec Dieu est une relation personnelle avant tout. On n'avait pas le choix. Sinon, les marchés devaient être fermés. Mais peut-être si nous avions fermé les marchés, si les autorités avaient fermé les marchés, et ce n'était pas coronavirus qui allait faire passer les gens de vie à trépas, mais ce serait la fin. Et donc, les discussions sont en cours pour ce que nous savons sur la réouverture des lieux de culte. Et lorsque tout le cadrage sera bien fait, il ne faut pas ouvrir plusieurs fronts. Hein. Aujourd'hui, c'est l'école. Que faire ? Pas à pas. Pas à pas. On n'a pas encore bien fini de régler le problème de l'école que nous allons commencer celui des lieux de culte. Peut-être c'est toute cette prudence-là qui fait que nous arrivons à bien juguler la crise. La crise au Togo. Parfait. Professeur, c'est déjà la fin de cette émission, de ce jour. Peut-être on va prendre votre dernier mot, un mot de la fin. C'est de vous remercier pour l'effort continu et demander la responsabilité individuelle et collective des uns et des autres. Et il faut que chacun de nous s'investisse, joue le rôle du bon messager pour sensibiliser
chez moi à la maison, autour de chez moi, dans le respect strict des mesures barrières. Le cache-nez, comme le nom le dit, c'est pour cacher le nez et la bouche. Ce n'est pas un élément du décor de la face. Et l'hygiène de ce masque-là est important. S'il est réutilisable, il faut le laver, le désinfecter à l'eau de Javel, sécher, repasser et le réutiliser. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon retour. Hein. Merci. Je rappelle bien sûr que vous êtes professeur Munero Salo, bactériovirologue à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité légendaire à nos programmes un peu partout. Et à Badou, il y a un monsieur qui nous suit très souvent, il s'agit bien sûr de M. Toyi, il est bien sûr enseignant et proviseur à Badou. Nous passons toutes nos salutations à toute la grande population de Badou qui suit bien sûr ces programmes de votre télé Néo-Hod, du groupe de télé Néo-Hod. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 12h10 dans votre émission Le Monde en 7.